Hey les gars, sur le stand de Citroën, il y a une énorme nouveauté autre que cette fameuse buggy AMI. C'est la nouvelle génération de C5 Aircross. Là, en effet, ce n'est qu'un concept, mais on a tous les traits de la version qui va être produite d'ici peu de temps, en 2025. On a le droit à ces fameux feux là, ces fameuses optiques nouvelle génération avec ces barres là. On a le droit au nouveau logo, la fameuse bande qui relie l'ensemble. Et comme vous pouvez le voir, tout est sculpté, mais plat à la fois. C'est juste magnifique. La couleur, ne rêvez pas, de Siri, il n'y en aura pas. On va sur le côté. Regardez le profil. On reconnaît tous les attributs que pouvait avoir la C5 de l'époque. Ici, on a ce fameux capot horizontal. On a des grosses roues. On a ici de quoi entourer les jantes et les roues, des jantes pleines. Et là, tout l'habitacle est reculé au maximum. Cette ligne de fuite est juste magnifique. C'est évidemment sculpté. Là, j'adore ce petit sort touche de piano, mais ça fait quelque chose de très dynamique. Et venez à l'arrière, là, c'est ma partie que j'affectionne le plus. C'est dingue comment ils ont superbement travaillé. Alors, savoir que c'est juste un SUV familial. Regardez-moi ça, ces feux là. Avec ici un passage pour faire les flux d'air aérodynamiques, c'est pour consommer moins. C'est juste génial. Et moi, j'adore aussi là cette partie-là. Ça ressemble un peu à l'ancienne génération du 3008 qui avait un peu ce bandeau-là intégré dans le pare-brise arrière et les feux. C'est vraiment très joli. Encore une fois, on travaille superbement sur les flancs. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une version électrique qui est en préparation. C'est une version hybride qui est en préparation et elle sera aussi thermique. Stellantis, Citroën ne fait pas le choix d'un moteur, mais de tous les moteurs possibles et imaginables. Ça, c'est beau, ça, on la veut, et c'est pour bientôt.